Sa tête ne parle pas encore beaucoup aux Alsaciens, et pourtant Jacques Fernique pourrait bien être le prochain président de la région Alsace. C'est en tout cas ce qu'avance un récent sondage qui le donne gagnant aux côtés des socialistes. Une victoire que n'écarte pas ce militant associatif de toujours, même s'il est conscient de son manque d'expérience en politique. Il n'y a pas de personne qui soit prédestinée naturellement à exercer des fonctions importantes, mais c'est les électeurs qui choisissent sur des projets. Et puis la politique, les assemblées, c'est de la collégialité, c'est du débat. Un président de conseil régional, ce n'est pas Dieu tout-puissant. Professeur de lettres dans un lycée professionnel strasbourgeois, ce presque quinquagénaire a adhéré aux Verts voilà plus de 20 ans. Conseiller municipal d'une petite commune proche de Strasbourg, il préside aussi le groupe des Verts à la région, une région depuis toujours à droite et qu'il espère aujourd'hui faire basculer pour sortir, selon ses termes, d'une écologie des tout petits pas. Les écologistes aux commandes, aux responsabilités en Alsace, ça sera la volonté de faire de l'écologie et de l'écologie partagée, de l'écologie concertée. Et on a l'impression que les Alsaciens prennent ce rendez-vous avec l'écologie au sérieux. Et c'est vrai que l'Alsace a une longue histoire avec l'écologie, due notamment à la présence de la plus ancienne centrale nucléaire de France à Fessenheim. Sans oublier les vélos, le tramway et bien sûr la proximité avec l'Allemagne, berceau de l'écologie européenne. Parce qu'en Alsace, on a une certaine tradition environnementale, et puis que de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, les Verts sont très présents. L'espace vert disparaît, il ne restera plus grand-chose. Hein. Pour se donner le maximum de chances de gagner, Jacques Fernique ne néglige aucun soutien, comme ici celui du grand résistant Stéphane Hessel. Mais il a surtout réussi à rallier Antoine Wächter et ses amis verts historiques, une réconciliation à laquelle plus personne ne croyait en Alsace, le signe peut-être que la mayonnaise écolo est en train de prendre.